great thing about being able to travel around and hear this music and meet these different peoples and is that I can hear DJs that not only that are new and exciting, but I can hear their style and how they play. In France, there was a specific way of DJing that was very sophisticated. And I really loved to hear those guys play because they were interested in what was happening in Chicago House and Detroit Techno and New York Garage, and they flipped it to their thing, and it became this French House stuff, which influenced again people in the U.S. to make what they did, and then it came back and maybe influenced the Swedish, you know? And then the Swedish comes back and that influences another, the English or the Dutch or whatever, you know? Debut album from French duo Cassis out now on Astralworks. How you doing? This is from New York. French music, you know, you guys got it kicking right now. Got some really good DJs. Laurent Gagné is awesome. Cash is bringing out some really good music. Air, really loungy, really smooth. So keep bringing that good sound to New York. We're going to have a good time tonight. So you're in New York's Vinyl Mania Records. We carry a lot of French records here. France is the big bomb right now in the world. Here's actually a whole row of French records. Of course, Cassius, everybody in the world knows Cassius, even an American pressing now. Stardust was just gigantic for us. We sold thousands, hundreds of them. Mr. Oizo, right? Another Alex Gopher record. Really special package. French really package their records really well. That's why they sell a lot, besides being really good records. How could I forget Pop Sun Cloud? Now, usually I would have a Daft Punk record to show you, but I'm entirely sold out. In fact, we always sell out of Daft Punk records. Am I wrong to hunger? C'était la première fois que la musique française intéressait les gens à l'étranger depuis Charles Trenet et Edith Piaf. Je dirais que tous, autant qu'on était à cette époque-là, les artistes français, la funk mob, tu vois, j'en oublie plein, il y en a plein à dire, hein, évidemment. Je dirais qu'on a perdu un peu notre complexe par rapport aux Anglais, par rapport aux Américains. Presque, on avait honte d'être français. C'est-à-dire qu'il fallait pas trop dire qu'on était français parce que... ah ouais, mais les Français, ils sont nuls en DJing. Tu connais un Français DJ? Non. Donc, en Angleterre, moi, je me souviens, quand on achetait les disques dans les boutiques, avant l'explosion de la French Touch, il fallait se faire discret parce que si le mec sait que t'es français, il va pas te donner les bons disques. Il y avait cette espèce de complexe que français en musique électronique, ah ouais, vous êtes du pays de Johnny Hallyday, genre... Tu sentais, ouais, que les Français commençaient à se libérer d'un truc, quoi. Il y avait une excitation nouvelle, parce qu'on sentait qu'il était en train de se passer des choses, tiens, les DAF sont bookés à New York, Dimitri est booké à Tokyo, c'est en train de bouger, les gens font attention à ce qui se passe en France. On était en plein phénomène français, tu vois, la French House, genre toute la presse musicale dans le monde, tu vois, parlait de ses producteurs, Dimitri from Paris, Cassius, Daft Punk... Et genre, c'est en France où au final, ils étaient les moins connus, quoi. La French Touch, on kiffait aussi bien les références un peu Easy Listening Lounge ou 70s de R que le côté plus funk. Cassius, c'est Zdar et Boombas, ils viennent de MC Solar, du hip-hop, quoi. Ils avaient une culture hip-hop. Que les Daft qui venaient plus de trucs techno, que de gens qui venaient un peu plus du rock, que des Dimitri from Paris qui vient plus de la disco et tout. Mais c'est vrai que ça n'a aucun sens musicalement, c'est pas la même chose, sauf cette ouverture d'esprit, c'est quand même important. Et après, il y a eu un deuxième temps qui a été ce qu'on appelait la house, enfin, un deuxième temps, ce qui a été la house filtrée. Mais c'est un genre très précis, la French Touch, mais c'était un peu ça, la French Touch pour tout le monde. Pour moi, la French Touch, c'est tout le monde s'est mis à pomper les Daft. Voilà, c'est pas la peine de. Tout le monde rêvait de faire les Daft, même nous, à un moment donné, je me rappelle, même moi, mes morceaux, ils commençaient à faire. C'était tellement gros leur truc, enfin, c'était tellement. Il y a des groupes comme ça, quand t'as Fixed Twin qui est toujours en train de défricher, ou les Daft sont en train de défricher, ou
quand il y a des champions dans un mode musical, c'est génial parce que tout le monde est là en train de regarder comme Bob Dylan ou il y a le champion, qu'est-ce qu'il a fait, alors qu'est-ce qu'il va faire le prochain truc. Wow. Le parcours de Daft Punk fait du bien à la musique électronique en général et particulièrement française puisque ça a mis un coup de projecteur. Sans Daft Punk, effectivement, je pense que la route n'aurait pas... Deux génies dans ce mouvement, c'est Guyman et Thomas. J'adorais Daft Punk parce que c'était punk, les premiers morceaux, on les jouait dans des carrières en plein air et ça sonnait grave. Ils étaient au-dessus de la mêlée et respect doit beaucoup au Daft. Et la French Touch d'une certaine manière. Même s'ils vendent des millions de disques, leurs morceaux tuent, leurs projets tuent, le concept global tue, et à chaque fois ils en mettent plein la vue, et c'est pas que à moi, tu vois, c'est à des millions de personnes. Et je veux dire, ça trompe pas, tu vois. Donc c'est pas le fait d'avoir du succès, de vendre des disques. C'est le fait, c'est comment tu le fais et comment tu le vends, et si tu fais de la merde ou si tu fais pas de la merde. Je les ai vus exploser, quoi. La première fois où j'ai vu Guyman. C'était dans les studios d'FG, Christophe X m'a dit « Ah, bah, il faut que je te présente, là, ils vont sortir leur truc sur Soma. » Franchement, j'ai vu Guyman arriver. Alors, pour moi, c'était pas du tout ce que j'avais l'habitude de voir, tu vois, tous les producteurs de musique, de house à l'époque à Paris étaient tous avec leur petite Nike et tout ça. Moi, le premier, tu vois, c'est pas une critique. Mais t'avais Guyman qui arrivait avec son blouson de cuir et ses tiags. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni, quoi? C'est indéniable. Les Daft, quand ils sont arrivés, c'est eux qui ont popularisé cette musique en France. À partir du moment où eux sont arrivés, ils étaient plus jeunes que nous. Ils avaient un son qui était franchement nouveau. Ils ont fait des trucs qui étaient vraiment à la limite entre le grand public, pas le commercial, le grand public et l'underground. Ils ont super bien compris. Ça a généré une masse de gens qui avaient envie de faire cette musique-là, et en France et aux États-Unis. Parce que je sais qu'aux États-Unis, quand ils ont fait le live avec la pyramide, t'as une tonne de gamins qui sont arrivés, qui ont vu ce truc-là et qui ont dit « Mais putain, what the fuck, quoi, nous aussi, on peut le faire. Nous aussi, on veut faire ça. » En fait, les Daft, puisqu'ils ont fait ça en plus grand, plus fort, je pense qu'ils ont transformé l'essai. Nous, on a posé les briques pour construire la maison, mais on restait vraiment dans le côté underground, sans faire trop de bruit. Alors après, il y a eu des rêves, il y a eu des trucs, hein, qui ont attiré du monde. Mais les Daft, eux, ils ont montré un espèce d'exemple différent en disant « Non, non, mais on peut être underground et on peut vendre des disques. » Tu vois ce que je veux dire? On peut avoir un pied dans chaque truc et rester super intègre. Et vraiment, moi, je leur tire mon chapeau pour ça parce que ça a fait beaucoup de bien à la scène. Tout le monde parle de la puissance des rêves, de cette espèce d'épidémie qui est partie comme ça d'Angleterre et puis qui a contaminé l'Europe. Mais personne ne sait vraiment ce que c'est, il faut venir dedans. Ça a commencé en Angleterre et aux États-Unis, surtout à Détroit, dans les warehouses. En Angleterre aussi, et c'est vrai que c'est arrivé en France relativement rapidement. C'est Manu Casana qui a fait les premières rêves, et ça, c'était au Fort de Champigny, et il a tout de suite monté un label qui s'appelait Rave Edge, lui. Et moi, je trouvais que les jeunes, on était tous cloisonnés, quoi, par gang, par bande, par genre, par style. Les punks, les mods, les rockers, les skinheads, les hippies, les babacool, les ceci, cela. Et je me suis retrouvé dans cette soirée où finalement, tous ces genres différents de toute cette jeunesse, avec tous ces cloisons qu'il y avait d'habitude, et ben là, il n'y avait plus de cloisons et tout le monde était à se rencontrer, à discuter, à se sourire, à danser sur la même musique. C'était un endroit où on allait pour danser, habillé comme tu voulais, et il n'y avait pas ce truc d'image. Et c'est ça qui nous plaisait. Là, tu arrivais dans des soirées où les gens étaient tous à moitié torse nu, souriants, hyper sympas, et vraiment le spectacle qui se passait en fait dans la salle. Tout ce qui était un peu chanté avec des voix et un peu de groove, on appelait ça de la house. Et tout ce qui était sans voix, non chanté, un peu froid, on appelait ça de la techno. C'était tellement important pour nous d'écouter la musique qui venait d'ailleurs, aussi bien d'Allemagne, avec toute la mouvance trans, techno, hardcore aussi, un peu house. L'Italie et l'Angleterre, forcément, avec...
La hip house, l'acid house, tout ça. Et puis la techno de Détroit après. C'était ouais, l'ambiance, l'atmosphère et puis la drogue aussi qui allait avec. En fait, j'ai découvert les deux en même temps et il y a une corrélation entre cette musique et la drogue qu'on prenait à l'époque qui était assez forte. C'est un peu comme dans Star Wars, là, le moment où il passe en hyperespace et d'être projeté dans le futur, si tu veux. J'ai eu vraiment cette sensation-là d'être projeté dans le futur. La musique a été tellement... tellement futur, tu sais, c'est la techno, c'est-à-dire le fait que c'est une musique totalement désincarnée, les sons que synthétiques, la drogue elle est très synthétique aussi, et t'avais un espèce de truc vraiment... j'ai pris une grosse claque ouais, sur le cerveau. Quand je suis rentré de cette expérience à Paris, j'avais les yeux, tous mes amis me disaient, mais direct, t'as des étoiles dans les yeux. Je dis, bah ouais, les gars, c'est pas possible, vous imaginez pas ce que j'ai vécu, quoi. Et donc, plus je l'expliquais, et ils arrivaient pas à voir, t'as du mal à vraiment faire retranscrire ce que tu as ressenti au fond de toi-même, parce que c'est vraiment au fond de toi-même, tu as vraiment du mal à le retranscrire en l'expliquant. Il faut le vivre. Quand on rentrait chez nous le dimanche, après avoir vécu cette liberté totale, on se demandait comment on allait faire pour rentrer dans le moule, avoir un métier, travailler dans un bureau. Deuxième arrondissement, Métropole Nouvelle. Ce soir, comme DJ, il y a Dan. L'autre soirée, c'est demain soir. Il y avait un point de rencontre qui était Place de la Bastille, grosso modo. Et après, les gens qui étaient là, c'était par une infoligne, un numéro de téléphone et tout, on suivait. Et puis, voilà, on se met à marcher. On arrive dans un espèce de tunnel désaffecté où là, il y avait un pauvre sound system, deux strobos et puis point. Tout s'organisait souvent autour des magasins de disques, donc c'était les points de chute où il y avait les flyers. On avait un rendez-vous, il fallait suivre un fléchage, on débarquait dans des endroits totalement, totalement incongrus, que ce soit un entrepôt, un champ, un château. Il y avait une notion d'aventure, quand on allait en soirée, on ne savait pas quand on allait arriver, quoi. On se perdait en banlieue, c'était assez marrant. C'était assez marrant et c'était une autre approche de la nuit quoi, qui n'existait pas. C'était quelque chose de tout à fait nouveau en France. On louait des générateurs, on trouvait un champ, on faisait une fête. On bossait dans un studio d'enregistrement en fait. Et puis quand on a découvert cette soirée-là, après on a fait toutes les soirées possibles autour de Paris. C'était 91, 92, c'est-à-dire c'était le moment où les rêves arrivaient à Paris. Et donc il y avait beaucoup de soirées et donc on a fait pendant 6 mois toutes les soirées qu'on pouvait faire. Du coup, c'était le vendredi, le samedi, le dimanche après-midi, puis après le jeudi. On faisait parfois 200 bornes dans la campagne pour arriver dans une friche ou dans un champ et on savait absolument pas ce qu'il y avait sur place. Et parfois, il y avait rien et parfois, il y avait des flics. Et moi, j'ai très souvent fini au poste, genre à 6 ou 8 heures du mat. Parce que les organisateurs, voyant les flics arriver, ils avaient squatté un champ ou un hangar sans demander d'autorisation. Évidemment, ils se barraient avant que les flics les trouvent. Et donc, c'était souvent les DJ qui étaient là, qui jouaient au petit matin, qui commençaient comme moi. Et donc, les flics arrivaient. Ah, monsieur Agoria, bon, bah, ça va. Au bout de 3-4 fois, ils n'avaient plus besoin de me ramener au poste. Ils savaient que j'étais pas le gros méchant dealer ou je sais pas quoi. Donc, j'étais relax, quoi. Moi, je savais que la musique électronique brisait les frontières, mais je me rendais quand même compte qu'il y avait des frontières quand même, qu'on n'était pas tous dans le même état d'esprit. Moi, je passais mes week-ends à faire du prosélytisme, à dire « Vous êtes jamais dans une rave ?» Ouais, dans une rave, j'étais dans des dîners énormes avec plein de gens. Les gens me regardaient comme ça, puis après, genre 3 semaines plus tard, il me fait « On est allé, c'est bizarre quand même, bah, tu vois, c'est hyper crade par terre, j'étais là « Bon ?» Tu sais, nous, on était genre « On croyait que tout était comme dans une boule à facettes. » Un mouvement très hédoniste et surtout c'était un mouvement qui n'avait pas de revendication puisque la musique électronique est une musique qui n'a pas de langage, c'est pour ça que c'est une musique universelle évidemment, et donc il y avait très peu de revendications à part le fait de vouloir s'amuser dans les lieux les plus incongrus et avec des sets les plus longs possibles. Moi je me rappelle sur la péniche des fois, bon j'étais high,
où carrément j'étais avec deux disques et je les faisais tourner à l'envers tous les deux. Et les gens étaient... Tu vois, comme ça, pendant une demi-heure. Pour la France, pour nous, dans notre vie, il y avait un truc. Je vivais enfin, à 20 ans, un truc qui était en train de se fabriquer à ce moment-là. C'était pas du free jazz, c'était pas du machin, c'était pas... Les héros de cette musique n'étaient pas morts ou vieux. Moi, quand j'étais petit, je le dis régulièrement, mais la première musique qui m'a vraiment fait rêver, c'était le punk. Mais seulement, moi, j'étais pas punk, quoi. Je pouvais pas être punk, j'étais beaucoup trop jeune, j'avais 10 ans et demi. Les vrais punks, ils se crachaient dans la bouche et tout. J'ai râlé, putain, c'est génial, mais je pouvais pas cracher dans la bouche d'un copain, quoi. Parce qu'il me manquait 5 ans. On avait l'impression de construire nous-mêmes notre histoire. Il y avait un engouement, une effervescence, à la fois de ce petit jeu du chat et de la souris avec les autorités qui faisaient tout à l'époque pour que nos soirées n'aient pas lieu. Mais comme tous les styles et courants musicaux l'ont eu, que ce soit le jazz, le rock, à chaque fois, c'était la même histoire. Et donc, ça a participé évidemment au fait que ça m'a donné le diable, quoi, et que je suis encore là aujourd'hui. Ouais. Sous les yeux de la police, débordée par l'ampleur du mouvement, on arrive de partout, en Jaguar comme en bus. Les autorités, dans un premier temps, ont eu une réaction extrêmement dure. On s'est fait vraiment laminer la gueule par les politiques, par tous les gens dans la presse, et on était tous des extasiés débiles mentaux. Donc déjà au départ, on était tous des PD. Il y a eu ça, mais ça a été d'une violence au début. C'était absolument pas compris cette musique-là. Les tabloïds anglais qui étaient là pour faire du fantastique disaient oh, « ça y est, les gens qui prennent des acides et tout vont maintenant en France pour faire la fête ». Ce qui a donné lieu à ce premier arrêté, interdiction de la première rêve en France, qui date du 10 novembre 1989. Le jour même, donc où devait avoir lieu la fête, il y avait quand même 11 quarts de police qui étaient là. Et deux jours avant la soirée, je devais passer à la préfecture. Et au lieu de récupérer l'autorisation, c'est là où donc on m'a menotté à une table pendant 2 heures, dans une petite pièce à la préfecture, et où je me suis retrouvé devant la sous-préfète de l'époque, qui m'a reçu pendant 5 minutes. Et en 5 minutes, donc, il m'a fait comprendre qu'il ne me donnerait pas l'autorisation. Et on m'a dit, cessez d'importer n'importe quoi d'Angleterre. De toute façon, on ne vous laissera pas faire ce genre de rassemblement en France. T'étais obligé d'être dans l'illégalité, quoi. Même si t'es pas un bandit, tu vois. C'est un moment où tu demandais l'autorisation, on ne la donnait pas. Et à la limite, si tu la faisais quand même, c'était pire que d'essayer de la faire et d'être discret et qu'ils te chopent pas. Tu vois, au moins, t'avais une chance de pas te faire gauler, quoi. Moi, j'ai eu la chance de me faire gauler pendant très longtemps. C'est jusqu'au jour où je me suis fait gauler, quoi. J'avais loué un château. Et il y avait 3 salles, il y a Daft Punk qui jouait, Jérôme Pacman dans une salle, je sais plus quel était le plateau, il y avait Cassius dans l'autre, il y avait Moody Man, Kenny Dixon Jr. qui jouait aussi, il y avait Jeff Carr, il y avait Gilbert, enfin on avait loué un château et jusqu'à ce qu'on a eu une descente de flics à 6h du matin qui s'est plutôt mal passée et qui ont mis un point final à mes aventures de soirée un peu originale. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé le respect. Le truc a été un succès tellement immédiat qu'on a été les premiers surpris. Quoi. Notre première soirée, on a eu 3000 personnes. Ça a duré non-stop pendant des années, quoi. C'était charmé. Les premières, enfin,
pas les j'en sais pas en fait. Tout ça est un grand blur total, mais par contre l'esprit des respects était incroyable, je m'en souviens. Toute l'équipe de respect a donné une plateforme de lancement, un moyen d'expression, parce qu'il n'y avait aucun club qui voulait nous voir jouer à Paris. Je sais que pour la plupart d'entre nous, que ce soit Dimitri, que ce soit Étienne de Crécy, Cassius, Daft Punk est venu jouer aussi, d'autres DJ, ils ont invité des DJ internationaux. Il n'y avait aucun club à Paris qui voulait faire venir des DJ comme ça. On avait plein d'intentions précises au début quand même, c'est là-dessus qu'on a quand même marqué les époques, quoi. Déjà musicalement, effectivement, mettre en avant toute la French Touch. Déjà, l'entrée était gratos. Ce qui était à l'époque pas véritablement courant. Vraiment faire venir un peu l'esprit des rêves, c'est-à-dire justement d'être plus démocratique à la porte. Donc on prenait un club qui était gay, mais on disait on est évidemment gay friendly. À partir du moment où tu venais pour kiffer, tu rentrais. C'est sûr que respect la première année, t'avais vraiment tout le monde qui venait, quoi. Et les gens voulaient pas en rater une, d'une certaine scène évidemment, hein. Et tout le monde était vraiment excité par tout ce qu'on faisait, quoi. On a l'air de vieux combattants, mais on était les jeunes connards à l'époque, hein. Tu vois ce que je veux dire, s'il y avait Garnier, il était déjà là, il faisait son truc, il faisait Wake Up, ça allait bien pour lui, tout ça, tu vois. Et nous, on arrivait avec des mecs qui étaient pas vraiment DJ, hein. Tu vois, les DAF, c'était pas des DJ, c'est toujours pas des DJ. Cassius, la première fois qu'ils ont joué à Respect, ils savaient pas mixer. Et que Dimitri, qui mixait, qui mixe hyper bien. Qui peut mixer de la disco qui est jouée, c'est pas du 4-4, il est là, il bouge les disques, il touche les disques en même temps du mix, il les recale, genre c'est quand même un virtuose des platines, quoi. Mais à part lui, c'est vrai que dans toute la scène de la French House, les mecs ont appris à mixer avec respect, quoi, ouais, sur le tas. J'ai appris en écoutant les autres, beaucoup, en écoutant les disques d'abord des autres, et ensuite en regardant les autres DJ travailler. C'est la meilleure manière d'apprendre. S'il y a un DJ qu'on aime, on le regarde et on voit ce qu'il fait et on améliore. Vraiment ce truc, des meufs club kids des années 90, typiques, des mecs qui dansaient sur la tête, des Renois, des Blancs, enfin tu vois, des trucs qui n'étaient pas du tout normal à l'époque. C'était des mecs de banlieue qui venaient, qui rentraient avec leurs bouteilles d'eau, les videurs les laissaient rentrer avec leurs bouteilles d'eau, ils consommaient rien, tu vois, mais ils kiffaient, ils faisaient des cercles. Et c'est vrai que ça a été un meeting pot, tu vois, on avait les petites bourgeoises du 16e qui étaient là aussi, tu vois, on avait des mecs des médias. Voir des danseurs hip-hop dans un clubhouse, pour nous c'était la consécration que tu voyais qu'à New York. Eux se retrouvaient bienvenus, alors que vu leur look street, on va dire, jusqu'à présent c'était un truc un peu impossible. Mais... Ça a duré 3 ans, toutes les semaines. Tu vois, genre, on a fait plus de 150 soirées au Queen. Après, on en faisait une ou deux par semaine en plus, tu vois, à l'étranger. Ils ont vraiment fait exploser le clubbing en France, hein. Et puis après, ils sont exportés partout dans le monde. C'est vraiment 3-4 ans de voyage non-stop. C'était jet privé pour Dimitri entre Melbourne et Sydney. Il y avait Dimitri qui jouait sur la plage à Bondi Beach et on avait une autre soirée à Melbourne où il y avait Bob Sinclair qui jouait. Tu vois, c'était cool. Tu vois, t'as 25 ans, tu prends des jets, t'es en Australie, tu pêches des meufs, mais tu vois, t'es content. Mais en tout cas, à l'époque, il faut rendre à César ce qui revient à César, c'est ça. Enfin, la house music est née dans les clubs gays de Chicago. Donc on est clairement dans une culture de underground, mais aussi de tolérance, où les gens font ce qu'ils veulent. Et
se laisse aller, pas la culture hétérosexuelle coincée. Scène électronique française est inspirée de la house de Chicago, particulièrement nous là dans la famille Daft Punk disons, et même pour aller plus loin dans la famille Headbanger, effectivement l'énergie de cette house filtrée disco qui sample des disques disco mais qui en même temps fait des choses un peu dures, un peu violentes, bah, nous on a été évidemment inspiré par ça. La house s'est développée essentiellement, c'est une culture gay la house, tu vois, c'est vraiment le prolongement du disco. Et le hip-hop, bon, bah, c'est une culture plus urbaine, plus black, ghetto. Bon, après, chacun a été touché par une culture, tu vois. Je pense que ceux qui viennent de la culture house, house, pure house, se sont très orientés techno, ensuite. Et ceux qui ont été touchés par la culture hip-hop, pas bizarrement, mais ce sont, aujourd'hui, aiment la house vocale. Parce qu'elle est soulful, parce que ça, et puis finalement, tu vois, finalement, ça s'est bien mélangé autour d'une musique, d'une dance music générale. Moi, la première fois où j'ai entendu ça, c'était, j'habitais en Angleterre, donc ça, c'était en 87, et je sortais dans un club qui s'appelait Hacienda, qui est quand même un club assez mythique. Et puis les DJ à l'époque jouaient beaucoup de hip-hop, beaucoup de funk, beaucoup de choses comme ça. C'était ce qui était un peu à la mode à l'époque. Et ce soir-là, il a joué ce tout premier disque. Je crois que ça a été vraiment le premier disque qui a été produit à Chicago de house, qui s'appelait Love Can't Turn Around, qui était par Farley Jack Master Funk. Et c'est vrai que c'était un disque qui m'a retourné, ça a été vraiment une claque dans la gueule, à partir du moment où ce truc n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais entendu auparavant. Et je crois que c'était vraiment le truc que je cherchais depuis toujours. J'ai toujours aimé la musique, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément excité. Mais alors ce jour-là, j'ai vu la lumière. Donc je suis directos, j'ai été voir le DJ en tapant sur la porte comme un fou, en disant mais qu'est-ce que c'est. Et c'était la découverte de la house music. So we in Chicago at night, y'all. This is the building right here. Everybody's sweaty and, you know, craziness. Coming out, that we just kind of stumbling, staggering out. Was the brick the same color, or? Yeah. Really? Exactly the same color, wow. White. Yeah. Lots of noise here. There's so much noise here, like I said, traffic. It's always been something special in Chicago with the city. That's why I've never left. So many people have taken off to become, you know, maybe even go to LA or New York because the industry's there, but I'm a South Side of Chicago kind of guy. I'm born and raised there, and there's something about the city that's special, and it's birthed a lot of talent. So I think the city is definitely always been an inspiration just for me, you know what I mean? In the very, very beginning, my father was a DJ, and I kind of inherited his record collection of a lot of disco, funk, soul, a lot of 45s at that time, and from there, I remember my cousin, he took me to a party. I was amazed. I was 10, 11 years old, and that's when I experienced Frankie Knuckles. I'm seeing all these people praising this DJ, screaming his name, and it was almost a culture shock because
You had gay people, you had straight, you had thugs. It didn't matter. It was about the music that brought them there together. C'est le premier mec qui a non plus enchaîné, mais qui a mixé des morceaux. C'est-à-dire que jusqu'à lui, on mettait les morceaux 5-6 minutes et on enchaînait avec un autre morceau. Et lui, c'est le premier vraiment qui a construit des morceaux et qui a mixé en enchaînant les morceaux les uns sur les autres, en les enchevêtrant pour faire les premiers mix de house. Et donc, on retrouve qui est Frankie Knuckles alors que c'était un des premiers. Enfin, c'était le premier à avoir fait tout ça. It's gonna set you free. Rock your body. Rock It's gonna set you free. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Rock your body. T'entendais déjà dans la musique de Chicago les trucs un peu ghetto, t'entendais la musique synthétique, t'entendais le disco, t'entendais à New York, t'entendais tout le truc de la soul. La house était les prémices de la techno, tout était là. Tombé un peu fou amoureux de cette musique-là, 4 ans avant d'aller visiter Détroit. Et la première personne qui m'a fait venir à Détroit, c'est Kenny Larkin. Alors j'avais déjà rencontré Derek May, on avait déjà rencontré Kevin, on avait déjà rencontré Juan, on avait déjà rencontré Mike, tout le crew de UR, parce qu'ils étaient venus au Rex. On est devenus très potes rapidement, je parlais de matos, je voulais tout savoir, tu vois, mais j'étais tellement fou de cette musique-là, je voulais savoir comment ils faisaient leur disque, c'était quoi les machines. Et donc, si le mec qui m'avait dit « je fais ça avec 2 œufs pourris et 3 peines », j'aurais acheté ça, quoi. Enfin, j'étais complètement fou. C'est un peu Underground Resistance qui avait posé les préceptes de l'artiste techno, en fait, ce qu'il était. L'artiste techno, il se cachait effectivement derrière ses... c'est-à-dire, l'artiste n'était pas du tout mis en avant. Il était... lui, le boss, là, Mad Mike, il était masqué. Si les Daft Punk ont un casque, c'est parce que ce gars-là portait un masque, refusait les interviews, les trucs comme ça. Il disait, c'est la musique avant tout. You know, the first rhythm, the first beat... is your heart. And that beat and that rhythm is that music, that internal music is with you for your entire life. And when that music stops, you're dead. And that was, I think, always the power of techno. Techno was always saying that the power is now. The future is right now. And so, you know, you can choose death or you can choose life. And I think that the world is always going to be like that. Because if people accepted everything the way it is, techno wouldn't exist. If
Ces gens-là, ils ont beaucoup, beaucoup souffert. Ce qui a fait aussi leur bataille, hein. C'est ce qui a fait aussi leur musique. Je pense que la souffrance a donné ce qu'on a entendu dans la musique. Mais je les ai vraiment compris. J'ai compris la ville, j'ai compris toute cette mélancolie quand je suis arrivé là-bas, en fait. Et ils ont tous essayé de faire des trucs, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ont baissé les bras parce que la ville était tellement... est encore, mais c'était tellement violent, tellement rude, tellement hard. Cette ville, c'est une ville en banqueroute. Je pense que ça a beaucoup changé. Mais en arrivant là-bas, j'ai compris toute la tristesse et toute la mélancolie de la ville. Moi, le truc qui m'a choqué, la première fois où j'étais à Détroit, c'est que tu te balades dans des rues où il y a un crack house, donc une maison où ça vend du crack, une petite église, une boutique pour vendre de l'alcool, trois crack house, une église, une boutique pour vendre de l'alcool, une boutique qui est là, qui est supposée vendre de la bouffe, et en fait, ils ont rien parce qu'il se passe que dalle. Et la ville était complètement abandonnée, tout était en train de tomber en ruine. Detroit is, you know, my home. You know, the city is a very unique city, very post-industrial. And I think that because of the collapse of the factory, industrial manufacturing, kind of gave a sort of a inspiration for music, for coming with different ideas and something new because everything was so depleted, you know? This is the real techno, no substitute, baby. The real deal, from straight from Detroit. Sense to me to stick it out in Detroit and try to do great things from Detroit because it brings attention to, you know, my city and my people. I started playing anything I could get my hands on, basically. My brother had a guitar, and he wanted a bass, but we couldn't afford a bass, so he just took two strings off, and it immediately became a bass, you know? So whether it's messing around with his instrument, or my sister's instrument, or, you know, with a little bit of drums, a little bit of piano, and I was trying to do whatever I could in order to make that make as much music as I could, as much great music as I could. With, you know, these kids that are coming out now, I want to see the same thing for them, you know, that they can take whatever they have and then be able to make something new and great. And I hope that I'm an inspiration that can help them do that. It was very strange in Chicago. I have a strange souvenir. It was cool. I have a lot of fun, but there was maybe 10 people in front of me when I was playing. Geez. Yeah, it was very... very strange in the... this year. Yeah. We had French fries. Yeah. We just had pan pannier. Yeah. Yeah.
Yeah, in the same venue. No, not in this venue. Yeah. We have. J'ai découvert ça assez tard, quoi. Moi, toute cette scène de Détroit. Ce qui est drôle, c'est que justement, il y a une génération de producteurs un petit peu plus âgés. Je pense à Laurent Garnier ou même un peu après Agoria, tous ces gens-là qui sont directement influencés par tous ces gens de Détroit. C'est une espèce vraiment de transmission. Ça serait assez drôle d'ailleurs d'avoir l'occasion de rencontrer Ron Atkins parce qu'il m'a fait un remix en fait. Il avait remixé Bye Bye Macadam. Et putain, j'étais hyper fier de ça parce que. Grosse légende de Détroit, on dit que c'est l'inventeur de la techno et tout, donc qui a posé ses pattes sur un de mes morceaux. Ça, c'était une fierté, mais c'est toujours un peu la même histoire, c'est tout se fait à distance et je l'ai jamais rencontré. C'est vrai que la techno, du coup, ça a l'air tellement collé à... Enfin, c'est comme si c'était l'illustration, c'est la meilleure pochette de disque que tu peux avoir pour la techno, en fait. Ça vient tellement de Détroit que tout d'un coup, tu mets des images sur ce son. Rhône et Rouen dans la vie, moi j'ai rencontré assez tôt à travers son label In Fine et c'est quelqu'un qui m'a tout de suite beaucoup touché, dans lequel je me suis complètement retrouvé, moi au moment où je commençais à faire de la musique électronique, on était juste une poignée d'allumés qui utilisaient des drôles d'instruments qui intéressaient pas grand monde. Et donc d'une manière, donc forcément, c'était un exercice assez solitaire et assez en dehors des modes et en dehors des canons. Et j'ai retrouvé ça chez Erwan, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille dans son coin de manière assez intuitive. Et c'est moi comme ça que j'ai toujours considéré la musique électronique. J'ai retrouvé cette espèce de côté à la fois iconoclaste, explorateur et en même temps... de quelqu'un qui traverse un océan sonore en solitaire, quoi. Et la manière dont il travaille est finalement à la fois technique et à la fois intuitive. Et ça se rapproche beaucoup de la manière dont je travaille. German, sorry, could I... No, 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 don't worry, but could I put the sound louder? It's okay if I put some volume to try? Yeah? Yes, okay. Je cherche, c'est vraiment un travail comme ça de recherche, et jusqu'à ce qu'il y ait un truc intéressant qui jaillisse en fait. Et bon, forcément, je le sens, c'est épidermique, j'ai un petit truc, un frisson, je m'allume une clope, je suis tout nerveux. Et en général, c'est bon signe parce que je pense que c'est ça qui est magique dans la musique, c'est qu'en général, on le voit justement dans les concerts où il y a 20 000 personnes qui tripent sur le même son. Je pense qu'en général, s'il y a un truc qui me touche dans ce que je suis en train de faire, il y a des chances que ça touche les autres. Donc je retranscris forcément des émotions, ça se fait très naturellement, instinctivement, c'est-à-dire que j'y réfléchis pas du tout, quoi. Je me dis pas, tiens, je vais faire un morceau triste parce que je me sens pas bien, ou au contraire, je suis en pleine forme aujourd'hui, je vais faire un super morceau qui... Parfois, on peut même être surpris, être de super bonne humeur et faire un morceau hyper triste, ou l'inverse, être complètement au bout du rouleau et puis faire... Donc, ça se gère pas vraiment intellectuellement, j'ai l'impression. C'est vraiment les machines qui parlent, enfin, en tout cas, je sais pas, un truc qui se fait... Souvent, j'ai l'impression que ça se fait presque tout seul, quoi, que je me laisse aller. Et puis, il y a des choses qui jaillissent, pareil, qu'on maîtrise pas vraiment, et c'est très bien parce que je pense que c'est dans les accidents, dans le hasard, en général, qu'il y a le plus de poésie, je crois. Tel quoi, où tu peux créer des patchs. Ah, c'est cool, ce truc. Bon, ça a l'air cool, hein.
dans les concerts, tu rencontres plein de gens, les gens sont hyper enthousiastes. Bon, les Américains en plus, waouh, amazing. Et donc, il y a ce truc hyper chaleureux et tout ça. J'oublie complètement, j'oublie toutes les dates un peu foireuses, toutes ces choses-là. Je garde globalement, c'est une expérience géniale, cette tournée. Et puis c'est normal, en fait, c'est même assez cool en fait, de se retrouver dans des salles où il n'y a pas grand monde et il faut recommencer un petit peu à zéro. C'est stimulant, quoi, c'est motivant. Et ça, j'aime bien aussi, le fait de sentir que tu les chopes. Donc il y a le premier quart d'heure comme ça, où il se passe, on fait connaissance, et puis tout d'un coup, tu sens que tu les tiens, et puis là, ça commence vraiment, et tout ça. Dès que je balance le premier son, et que c'est ma place sur Terre. Je suis sur des nuages, et je suis hyper heureux. Et après le live, là, je plane complètement. Jusqu'au prochain live. Génération, puis les gens qui ont une quarantaine d'années, on est tous d'accord pour dire que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, on les trouve absolument magiques, on les trouve géniaux et super excitants. Et tu sens qu'ils ont retrouvé une envie de se battre pour quelque chose. Et ça, je crois que nous, au départ, on s'est beaucoup battu parce que vraiment, on en a tout chié au départ. C'était compliqué dans toutes les vies. De manière plus générale, on bosse avec des gens plus âgés, quoi. À chaque fois qu'on rencontre des gars un peu comme ça, un peu légendaires et tout, à chaque fois, ils nous disent « Putain, j'adore jouer à vos soirées et tout, parce que j'ai trop l'impression de me revoir, moi, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, quoi. » On a un peu le même parcours qu'eux, au final. Sauf que eux, bien évidemment, ils ont peut-être plus galéré, parce que, tu vois, nous, on arrive, tout existe déjà, tu vois. Il y a déjà des clubs partout, il y a déjà des sound systems, un public, même la presse, tu vois, à part des soirées. Ils font des trucs sans faire exprès. Tu sais, ils vont essayer des trucs hyper chelous. Et nous, on est là, genre, ouais, bah, j'aurais pas pensé, quoi. Du coup, s'il n'y a pas que nous qui amenons des trucs nouveaux, après, c'est sûr qu'ils nous ont beaucoup appris, quoi. Et il y a un renouveau house qui est arrivé, c'est-à-dire avec encore des jeunes qui ont écouté les disques de French Touch qu'on faisait dans les années 90, qui les ont recopiés avec les outils de maintenant et avec la fraîcheur de maintenant, parce que c'est ça qui est super. Nous, à l'époque, les premiers disques, tu prenais un sample d'un disque, là, tu le mettais en boucle. Et déjà, t'es là, ouah, c'est trop cool. Et après, tu faisais un petit rythme, tu fais boum, ta, boum, ta. Putain, c'est trop cool. Tu pouvais, pendant 8 minutes, t'avais ça, hop, tu coupais le kick, tu remettais le kick, et t'es là, le morceau était fait. Après, là, il faut que je trouve sur la console où est-ce que ça sort. Thank you.
fait quand même extrêmement plaisir de travailler avec des gens beaucoup plus jeunes, de se comprendre tout à fait, de sortir des dishes chez eux, de passer des soirées ensemble et à partager des plateaux. Et quelque part, on kiffe tous sur la même musique. Je me sens absolument pas en décalage. Pas du tout. Pas du tout, parce que la musique qu'ils font aujourd'hui, c'est la musique qui, moi, m'excitait déjà il y a 15 ans. Et on est vraiment revenu à ce truc-là qui est très urgent. Je trouve qu'il y a une vraie urgence dans la musique aujourd'hui qu'on avait perdue il y a 10 ans. C'est des rencontres, quoi. À la base, c'est des rencontres de potes. Enfin, de toute façon, moi, tous les gens avec qui je travaille, tous les artistes du label, c'est vraiment des rencontres. À un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un crew. Tu vois, on s'est rendu compte qu'on voulait vraiment faire les trucs ensemble, qu'on voulait avoir un nom et qu'on voulait release, quoi. Qu'on voulait avoir des vinyles. D'avoir envie de remettre le vinyle un peu à la page et tous ces jeunes DJ qui disent bah moi je vais jouer que du vinyle et tout, je trouve qu'ils ont trouvé un nouveau combat et je trouve que vous êtes assez sains aussi et je crois que vous êtes en train de tisser des liens beaucoup plus forts que l'ancienne génération. Moi personnellement, parce que je joue du vinyle, du coup ça m'énerve à un point, t'imagines pas, de savoir qu'il y a un track qui sort mais que tu l'as pas, quoi. Moi ça m'énerve de ouf. Et puis c'est le charme du truc, quoi. Tu vas pas sortir un EP en CD, tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas, pour moi, quand un truc sort juste sur Internet, moi, c'est... Tu vois, c'est un truc vite fait, quoi. Ça a moins de valeur. C'est un truc, ça se perd, tu peux pas le montrer à ta maman, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, ça joue, ouais. Tu vois, un vinyle, c'est un truc, faut faire attention, tu vois, ouais. Ça s'abîme. C'est vrai que je lui ai filé tous les vinyles que... Toutes les sorties que j'ai, j'ai filé tous les jours. Bah ouais. Ah ouais, non. Tu lui as pas envoyé des liens des liens de Bitport, télécharge ça, ouais, le problème. Je retrouve ce qui me manquait à un moment, c'est-à-dire le contenu. Nous, on s'est battus pendant des années pour ça. Donc, ils se battent pas pour les mêmes choses, mais quelque part, ils reprennent le flambeau et c'est génial. Je me sens beaucoup plus en face avec la nouvelle génération d'aujourd'hui que la génération d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je me suis cassé de Paris, j'en pouvais plus, j'aimais pas les clubs, j'aimais pas ce qui se passait. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est super excitant. C'est génial. Le fait de vieillir dans un monde qui reste très jeune, parce que je joue toujours devant un public qui, lui, ne vieillit pas, c'est moi qui vieillis. Tu te poses des questions. Il y a un moment où tu te dis, j'ai pas envie de devenir un personnage du passé et les gens viennent me voir un peu comme un mec qui était sympa et qui était pertinent à une période. Bah tiens, on va voir le vieux, c'est cool, on va voir ce qu'il a encore à dire. Tu vois, j'ai pas envie de paraître comme ça. Et donc, je pense que le jour où je vais devenir comme ça, où je deviendrai comme ça, il faudra que je m'arrête. J'ai fait plusieurs fermetures de clubs et c'est drôle parce que j'ai toujours entendu parler de la fermeture du Paradise Garage à New York et j'ai toujours fantasmé ce truc.
de pouvoir vivre à un moment dans un lieu culte, parce que le Yellow, c'était un lieu culte, et de pouvoir vivre ça une fois. Et donc, la fermeture du Yellow, c'était un peu, dans ma tête, personnellement, c'était... j'ai vécu la fermeture du Paradise Garage. Quelques années après, je me suis dit, il faut que ce soit au moins aussi bien, parce que j'en ai tellement entendu parler 20 ans après, que j'aimerais que des gens peut-être parlent de cette fermeture dans 20 ans, avec les larmes aux yeux, en disant c'était vraiment émouvant, c'était super beau. Et après ça, on a fait la fermeture de The End à Londres, et c'était assez dingue aussi, mais pas aussi fort que le Yellow. Ce qui était fou, c'était de dépasser ce truc de vouloir faire danser les gens. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment... alors, il faut comprendre qu'il y a eu une semaine de clôture, donc il y a eu des DJ qui se sont succédés. Le jeudi soir, c'était Fumiya Tanaka. Moi, j'ai joué le vendredi soir. J'ai fait un set de 12 heures le vendredi soir. Et on a fermé donc vers midi, le samedi midi. Après, le club a fermé. François a commencé. Donc, François K, lui, il a commencé le samedi soir. On l'a vu vers 11h, minuit, un truc comme ça. Et là, on est resté ouvert jusqu'au lundi dans la journée. Et donc, pendant toute cette période de temps, les gens sont restés en se disant « c'est le dernier moment ». Tu vois, un peu comme quand tu vas quelque part, tu sais que ça va fermer, et tu te dis « je suis en train de vivre un moment historique et il faut que je reste là le plus longtemps possible ». Et on est rentré dans un truc où les gens se barraient 2 heures pour dormir et revenaient pour absolument être là pour le dernier disque. Et on a retardé le dernier disque pendant, je crois, 12 ou 14 ou 16 heures. Ce qui fait que quand le dimanche soir, il devait être, je sais pas, 2, 3 heures du matin, on s'est dit c'est le dernier disque. Et qu'on a joué Miles Davis, Kind of Blue. Et après, François, il a mis ce truc des moines tibétains. Donc on est vraiment sorti du cadre de se dire on va faire danser les gens. Là, on était dans l'émotion pure. Tout le monde pleurait. Il y avait un truc où tu es bien au-dessus de ce qui peut se passer dans un club normal. Il y a une telle vibration que tu dis là, on est déjà sur une autre planète. Et François joue ce truc de moine tibétain. Et putain, ça a duré une dizaine de minutes. Les gens bougeaient pas. C'était très... En plus, les Japonais, ils intériorisent vachement, donc il y avait un espèce de trip intérieur. Tout le monde en pleure, les gens n'arrivaient pas trop à se parler, c'était assez fou. Et là, François a éteint la musique, et il parle couramment japonais, donc sa femme est japonaise, donc il s'est adressé en japonais pendant 10 minutes. Où là, il y a eu un moment d'émotion incroyable, même pour ceux qui ne comprenaient pas. Et c'est vrai que pour nous, le peu d'Européens qui étaient là, qui ne comprenaient pas le japonais, on regardait ce qui se passait autour en se disant « là, je ne sais pas ce qu'il leur raconte, mais c'est super beau, quoi. » Donc, tout le monde avec des larmes, c'était assez ouf. Et j'ai dit à François « putain, on ne peut pas fermer comme ça, c'est pas possible. Enfin, le club est plein, il y a une émotion de fou, on se doit de jouer un dernier disque. » Et il me dit « vas-y, quoi. » Et donc, on est repartis tous les deux. On est repartis au platine. On a joué, je crois, encore 6 ou 7 heures de suite. C'était incroyable. Et c'est vrai qu'à la fin, on voulait plus s'arrêter. Je crois que les gens voulaient plus s'arrêter de danser. T'as des gens qui dansaient, mais comme des dingues, en ayant des crises de larmes. Incroyable, mais ils étaient foncièrement tristes, tu vois. Et on était tous comme ça. On passait tous des larmes au rire. C'était très, très fort. Et personne voulait s'en aller. Donc tu avais cette espèce d'impression où tu te dis là, le monde peut s'arrêter, c'est pas grave, nous on continue, on s'arrête pas, nous on s'arrête pas. Ça, c'est un truc que je fais très souvent. Quand j'ai fait des morceaux, je les ai finis, et qu'en fait, ils me plaisent plus vraiment, je les resample sans cesse jusqu'à ce que j'y trouve un intérêt.
Et tu vois, genre là, je sais qu'il faut prendre la basse, par exemple. Elle est hyper forte, c'est le thème, quoi. Donc je vais prendre la basse, et je vais faire une loupe, et je vais voir ce qui se passe. Mon père, il écoutait tout le temps R, donc ça a été un de mes trucs d'enfance. Je pense que clairement, si j'avais pas écouté les disques de R, je ferais pas de la musique comme ça aujourd'hui. Ça, genre, je peux presque l'affirmer. Et peut-être dans de ce que j'ai lu et entendu, du côté DIY et moyen du bord, quoi, vraiment, qu'avaient les gens de cette scène-là au début, on l'a aujourd'hui. Alors évidemment, ça implique d'autres outils, parce que c'est des logiciels sur des laptops, c'est un SoundCloud, c'est tout ça, mais ça reste au final un schéma qui est, je pense, très similaire, quoi. Qui est un truc de cercle, d'éviter les intermédiaires, d'être vraiment entre rester entre amis, en tout cas entre gens qui se comprennent en termes de son et de démarche. Ah putain, ça c'est quoi? Ça c'est bien ça. Ça c'est genre un truc que j'ai fait, mais ça c'est super pause quoi. Au début. C'est vraiment genre mon tout premier truc et j'étais en première, non? Ouais, ça, première terminale. Je crois que c'est vraiment première terminale. En seconde, on était plus branchés en rock encore. On était au lycée ensemble en fait et en fait, à force de jouer en groupe, dans des formations un peu traditionnellement rock, etc., j'en suis venu moi à faire de la musique tout seul un peu dans mon coin et j'ai connu en fait la musique électronique via d'abord des groupes comme genre Pink Floyd ou des trucs comme ça, tu vois. Et finalement, plus j'écoutais ça, plus j'ai accédé à d'autres labels et à d'autres familles d'artistes en fait qui faisaient ce genre de son. Et ensuite, et comme Gabriel se dirigeait un peu dans cette voie-là aussi, lui en passant par le rap, on s'est retrouvé un peu au bout d'un moment en disant tiens, mais regarde, écoute ça, ouais, écoute ça, tu vois. Enfin, il y avait ce truc-là, donc on s'est complètement partagé nos trucs, quoi. J'aime beaucoup aller en club maintenant, alors que je le faisais pas du tout avant. Mais je préfère jouer dans un contexte de concert, de scène, où tu peux t'accorder du silence, des plages, pas de rythme. Et je pense que tu peux le faire en club, mais c'est marrant parce qu'il y a un peu ce truc où je lisais une interview, je crois que c'était Nina Kravitz qui disait « Quand je fais des trucs que je joue avec le volume ou que je mets des silences, les gens comprennent pas et pensent que je me plante, alors que non. »
pluie noire, tous les labels. Attends, je vais écouter ça. Vas-y, ouais, je suis chaud. Bon, celle-là, vous la connaissez? On l'adore. Là, je peux plus l'écouter là pour l'instant. Au moins pour un temps. C'est vrai, t'arrives à être. Comment dire? À être genre saturé de. Ouais, au bout d'un moment quand même. Ah non, c'est juste. Non, en fait, c'est juste que. De quoi? T'arrives à saturer de tes morceaux. Moi, j'écoute jamais mes morceaux quand ils sont finis. Enfin, j'écoute plus mes morceaux quoi. Ouais, ça c'est une énorme. C'est un monde entre nous quoi. Ouais. C'est ouf. Théo, il écoute tout le temps sa musique. Moi, j'écoute que ma musique en fait. Ouais. Ouais, mais c'est bien, enfin, mais ça, c'est hyper. Ça relance, ça donne envie de. Mais c'est ça, en fait, c'est même pas forcément une analyse, c'est que j'essaie de faire des trucs que j'aime le plus écouter, tu vois. En fait, on se rencontre, et en se rencontrant, on se rend compte que, en fait, on est tous de la même génération et qu'on pense tous la musique de la même manière, tu vois. Et qu'on a vraiment une relation avec les réseaux sociaux, avec la composition sur ordinateur, dans notre chambre, qu'on a tous démarré comme ça, tu vois. Qui est très commune, et en fait on est des gens assez terre à terre finalement, tu vois. On n'est pas justement, je pense que la différence aussi avec la French Touch, c'est qu'on n'a pas cette espèce d'idéologie hyper utopique de trucs de waouh, c'est là, on est en train de construire un mouvement ou quelque chose, tu vois. Genre, on n'est pas ça parce qu'on est une génération qui voyage, on est une génération qui va avoir bougé avant même de faire de la musique, tu vois, et qui va avoir vu d'autres trucs. Et du coup, en fait, on se connaît très bien et on s'entend tous plutôt pas mal. Mais je sais pas si on est vraiment, on n'est pas une communauté qui va tout faire ensemble et tout ça quoi. Après c'est hyper chouette, tu vois, cette espèce de mouvement de groupe et de le fait qu'on soit plein et à faire ce genre de musique, c'est trop bien le fait de se regrouper et de débarquer tous dans un même endroit ensemble. C'est toujours hyper galvanisant, c'est toujours hyper chouette quand ça arrive, tu vois. Mais on n'est pas dans le fantasme en tout cas, tu vois. On est vraiment dans un truc très terre à terre en fait. C'est ça. Il y a vraiment une phase où on était là dedans. C'est genre laid back quoi. Le classique, c'est, enfin, pour moi, ça reste en tout cas l'équilibre parfait de complexité et de beauté, je pense. Pour moi, en tout cas, la beauté, elle est créée par la manière dont la personne perçoit la chose qu'elle va trouver beau. Et c'est jamais une chose en elle-même qui est belle, c'est la manière dont on peut la modeler, dont on peut l'habiller. Souvent, je vais commencer par m'asseoir au piano et à jouer pendant une demi-heure. Et là, je vais trouver un truc, ah, ça c'est bien. Je vais peut-être l'écrire sur papier, ou un truc comme ça, après je vais l'enregistrer, et ensuite le travailler, mais ça, c'est généralement assez spontané. Enfin, souvent j'ouvre mon ordi, et je commence à écrire des trucs, ou bien j'enregistre un son et je pars de là, et j'essaie de voir où ça m'amène, quoi. Les univers de son, tu sais, c'est... Ça m'intéresse, par exemple, quand tu marches dans la rue et tu passes à côté de personnes qui sont en train de discuter, t'entends une bribe de conversation. Pour moi, ça me fait un petit film, tu sais, t'entends... des trucs absurdes, hors de contexte, et puis après moi j'essaye de me dire, tu vois, j'imagine la vie, ce qui a pu mener à cette réplique, des trucs comme ça. Et bah hier j'étais à la gare, il y avait le rugby club de Toulon qui rentrait à Gare de Lyon, et l'énergie des voix dans une gare, oh, ça, j'ai sorti mon téléphone, allez.
m'efforce toujours de faire des choses que je trouve belles, parce que quand ça, une fois que je trouve quelque chose qui me touche, moi je me dis ah ça c'est bien, donc après je le garde. Mais je pense que les sentiments, c'est peut-être le... Enfin l'émotion en tout cas, c'est peut-être le point de départ, l'élément déclencheur. Ça sort du corps. Quoi. Après, tout ce qui est harmonie, c'est plus dans la tête, ça fait flotter. Et pour ça, en utilisant la rythmique et l'harmonie ensemble, tu vois, tu peux arriver à une espèce de transe physique, mentale, tout ce que tu veux. Mais je suis d'avis que justement qu'avec la musique et les vibrations, tu peux toucher un peu plus loin dans la chair humaine. Vraiment, ça te pénètre. Ça transperce, quoi. Quand t'es dans une salle comme celle d'hier, c'est tout l'air qui vibre, quoi. Donc je suis vachement intéressé justement de la relation entre les vibrations, enfin la musique en tant que vibration et et l'émotion. En fait, ça va pas prendre tant de place que ça. Je me suis dit qu'il faudrait que je fasse une chanson où c'est vraiment le beat par des bruits, quoi. Donc c'est ça l'idée, c'est que on commence par écouter un petit son résiduel d'un chat qui mange avec un petit bruit d'assiette et tout ça. Et moi, je le mets en boucle, j'essaie de trouver qu'est-ce qui est stylé dedans, quoi. Ça fait genre, pour moi, ça fait tilité, que t'es culé des têtes, que t'es tête, 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 t'es que des têtes, tilité, que t'es obligé des têtes, que t'es tête, tête, tête. Et là, tu balances la sauce en même temps, du coup, ça fait genre. Ça fait effet techno dans la tête des gens, quoi. Dans Burn In, Daft Punk, tu vois. Ça fait. De plus en plus violent, tu sais. T'as ça? Ah ouais, grave. Ça c'est le tien. Ouais. Ça c'est ton didgeridoo ou pas? Bah c'est ouais. Ok. Moi je suis tout du verre à utiliser comme ça. C'est le de côté sinon. Micro-contact, ça. Ouais. Tu le mets sur le coin. Ah ouais. Sur scène avec le retour à fond. Ah, sur scène. Tu vas faire de la scène avec. Ok, j'ai compris. C'est ça l'idée. Et celui-là, il est trop bien. Ouais, c'est trop bien. En fait, c'est le principe d'une scie, quoi. La scie musicale. Ok, le kiff, c'est le kiff. Spontanément, on s'est mis à faire de l'électro, faire des trucs. Surtout qu'on avait déjà l'envie de faire des trucs funky, donc ça collait avec le côté French Touch. Donc on s'est laissé aller à tout Daft Punk, Justice, tout ça.
tout ça, et c'était pour le bien, parce que ça nous a appris à faire la musique d'une autre façon. Et en fait, les harmonies, maintenant, je les vois plus comme des pensées, comme des émotions. Genre une harmonie, un accord, ça va être le regard que t'as par-dessus tout ça. T'es joyeux, ensuite t'es un peu nuancé. Et donc si t'es un peu schizo, d'un seul coup, t'as genre un coup de d'arme qui revient, nuancé, rejoyeux. Et donc tu fais comme ça, ta journée, c'est des suites d'accords en fait. Je vais le prendre. Peut-être que lui, le nouveau souffle, en tout cas, ou la folie, ou la liberté, viendra de mecs comme lui, qui n'appartient à aucune chapelle, qui va là où il veut, qui a une liberté, une spontanéité, qui va dans le bon sens. À Marseille, et ça a pris, il a joué devant 1500 personnes, et les gens étaient conquis, puis d'un coup il monte sur scène et il monte sur la table et il joue de la guitare, et tout le monde est fasciné. Au début tout le monde le prend pour un foufou, et en fait plus tu rentres dedans, plus tu l'écoutes, plus tu le regardes, tu te dis ah bah non, mais en fait il maîtrise complètement ce qu'il fait. Thank you.
C'est comme si on était sur une... C'est comme si c'était une roue, la musique, et que cette roue-là, elle roulait sur un paysage, mais du coup, elle avance, tu vois, et que forcément, elle va découvrir d'autres paysages, elle va découvrir d'autres trucs. Et cette roue, effectivement, elle tourne, donc tu vois repasser certains trucs, une petite vague de « hop, tiens, post-disco, années 80, machin », une petite vague de « oh, tiens, la pop française chantée en français naïve est un peu revenue », puis... Enfin, tu vois, ça dure 6 mois, ça se chevauche comme ça, ça roule, tu vois, et c'est cyclique, mais c'est à très petite échelle. Pour moi, il y a quand même un avancement global qui se distingue vachement, quoi. De par la technique, de par les surfaces de contrôle et de travail qu'on arrive à avoir maintenant, qui sont complètement différentes, parce que ça avance aussi, tu vois, les moyens technologiques continuent d'avancer, et du coup, le son, la manière de travailler la musique est plus la même, et n'a pas le même son qu'il y a 20 ans, quoi. Évidemment, moi, je pense que ça va aller encore beaucoup plus loin, quoi. Il y a tellement de choses inventées. Alors, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, tout ça, jusqu'où on va aller, tout ça, mais c'est fascinant, ça fout le vertige.